On a bien compris depuis le départ que ce ministre se moque éperdument de ce que pensent les personnels. Il n'écoute pas les représentants des personnels. Et on voit bien là qu'on a un ministre en bout de course. Se retrouver à Ibiza ou où que ce soit, c'est non seulement irresponsable, mais c'est indécent dans la situation dans laquelle on est. Le protocole de janvier a mis en difficulté tous les enseignants. Et vraiment, depuis le départ, si on avait pu fonctionner avec une vraie écoute et un vrai travail auprès des personnels de terrain, on n'aurait jamais connu cette situation-là. Donc c'est scandaleux, ça vient nourrir notre colère, évidemment, et nous donner encore plus de raisons d'être en grève très massivement le 27 janvier. On sent l'indécence et le mépris qu'on vit depuis maintenant 5 ans, hein, parce que on apprend qu'il était à Ibiza, mais on apprend aussi que le protocole était prêt depuis samedi. Donc en fait, il nous l'envoie la veille, alors qu'il aurait pu l'envoyer 2 jours. Alors ça aurait pas été normal vu que c'était quand même le week-end, mais ça aurait été déjà un peu mieux.